et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera ouverture de la Blissim du mois de mars. Donc oui, je suis très en retard sur l'ouverture de la Blissim, tout simplement parce que je ne l'ai pas reçue au mois de mars. Comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, je ne l'ai pas reçue. J'ai demandé du coup un renvoi de box et le temps de recevoir ma box, tout ça, on était le 16 avril quand j'ai été la chercher. Nous sommes le 17 avril quand je vous tourne la vidéo. Je vous fais quand même le petit haul pour vous, la petite ouverture de box pour que vous voyez quand même ce que j'ai eu dans ma box, mais ça va aller vraiment très vite. Je vais pas vous refaire le détail et tout de l'abonnement. Vraiment, je vais vous la montrer rapidement pour que vous puissiez voir le contenu. De toute façon, comme toujours, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà mis les photos, comme la box n'est plus d'actualité. Et du coup, voilà, on va l'ouvrir très rapidement. Donc, pour le mois de mars, on était sur une box en tiroir. Voilà, ils le font assez souvent, ce genre de box comme ça. Moi, ces box-là, je les utilise pas. Je les utilise plus. Avant, je m'en servais pour mettre mon maquillage, mais maintenant, je mets dans des... rangement acrylique, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et du coup, c'est une petite box comme ça, en carton, rayé bleu et blanc, un peu marine, toujours écrit Blissim. Et voilà, le reste de la box est comme ça. Donc quand on ouvre la box, on a tout de suite accès au livret avec le thème de la box qui était Cocoricool. Donc là, on était ce mois-ci sur une box... qui était 100% sélection green, donc c'est vraiment des produits avec de très bonnes compos bio, etc. Et du coup, on avait le petit édito, je vais vous lire très rapidement. Donc en mars, il est l'heure d'afficher nos plus belles couleurs et d'y ajouter une touche de vert. Notre mantra du mois, liberté, naturalité, beauté. Cocorituco, nos marques françaises green, chéries, sont à l'honneur dans votre salle de bain. Des pépites que l'on a voulu faire briller encore plus que d'habitude et qui, on l'espère, illumineront vos routines beauté. Produits biologiques, marque green, ingrédients naturels, formule toute douce, finalement, pas besoin de chercher très loin. Provence, Auvergne, Bretagne, on a sélectionné ce qui se fait de meilleur et de plus naturel dans notre belle France. Donc voilà le petit édito. On a toujours, voilà, le détail des produits. Ensuite, on nous présente un concours. Deux concours, des produits de maquillage et un sac. Ici, c'est des éditions limitées. Ici, c'est des produits qu'on nous présente. Ici, on nous parle de culture beauté et la community manager. Encore des produits. Toujours des produits. Et ici, c'était un code promo, mais qui est plus bon, 10€ offert sur tout le corner green des 39€ d'achat, mais c'est plus d'actualité. Donc on va commencer tout de suite le détail des produits. Pour commencer, je trouve un produit pour les cheveux, donc c'est un shampoing nourrissant Irrévérence de la marque Terre de Mars, donc c'est une miniature de 50ml. Le format vent de 150ml, il est à 16,15€ au lieu de 19€. Donc bonne miniature pour tester, je pourrais faire 2-3 shampoings. Donc c'est un shampoing biologique innovant, libère en douceur la chevelure et le cuir chevelu des résidus qui l'étouffent au quotidien. Pour les rendre plus légers, on a de l'aloe vera, de l'extrait de café, des feuilles de romarin, de la protéine d'amande pour un concentré de vitalité et c'est une formule vegan made in France. Donc c'est vraiment que des produits... français avec voilà, très bonne compo. Le shampoing, je valide, j'en utilise, donc ça, il n'y a pas de problème. Je vais l'utiliser. Ensuite, on a un produit pour le visage. C'est un lait crème sensitive de la marque Embryolisse. Donc on a une miniature de 15ml. Et le format vent de 100ml, il est à 16,91€ au lieu de 19,90€. Donc c'est un lait crème concentré, produit mythique d'Embryolisse, réuni dans une formule hypoallergénique, idéale pour les peaux sensibles. Donc il y a un côté multifonction qui est enfin un produit pour toute la famille et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle pour convenir à toutes les peaux. Donc on peut l'utiliser en crème de jour, crème de nuit, en base de maquillage pour favoriser la tenue du maquillage. On peut l'utiliser en démaquillant pour retirer le maquillage et les impuretés ou l'utiliser en masque. Couche épaisse pendant 15 minutes.
Moi, clairement, je vais l'utiliser en crème de jour et base à maquillage. Ça me fera un produit 2 en 1. Je ne vais pas l'utiliser en crème classique parce que des crèmes, j'en ai plein. C'est très long à finir. Donc là, étant donné que je peux le détourner en base à maquillage, je vais l'utiliser comme ça. Pourquoi pas le tester en démaquillant aussi et en masque. Voilà, je pense que je l'utiliserai un petit peu de plusieurs façons, mais principalement crème de jour et base à maquillage. Donc je mettrai qu'un seul produit sur mon visage. Et voilà. C'est un 15 ml, donc c'est un petit format, ça partira assez vite. Et c'est comme ça, le petit tube. On a le petit mode d'emploi. Donc moi je l'utiliserai comme ça, je laisserai dans mon rangement maquillage. Donc voilà. Donc ça je valide, voilà, je valide quand la crème, ma crème de jour Action sera finie, je l'utiliserai comme ça. Ensuite, on a une mousse nettoyante exfoliante Coco Crème de la marque Savon Story. Donc c'est un format vente à 8,93€ au lieu de 10,50€. Donc c'est une mousse crémeuse qui libère un délicieux parfum frais de verveine. Donc c'est un nettoyant, voilà, c'est un nettoyant pour le visage qui mousse. On a de l'huile de coco bio donc pour la mousse. On a les graines d'argan bio pour exfolier et l'huile essentielle de verveine bio pour un effet fraîche, saut fraîche, énergisant. Et voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent. Donc c'est un produit solide. Moi, vous savez que les produits solides, je n'aime pas trop. J'ai déjà testé les shampoings solides, j'ai pas aimé. Les déodorants solides, j'ai pas aimé, que j'avais reçu dans les blissines. C'est vrai que je n'aime pas les produits solides pour le moment. Je suis pas encore voilà, je suis pas, j'ai pas envie et j'aime pas. Même des gros savons pour laver les mains, je n'aime pas du tout. Mais ce produit là m'intéresse parce que c'est un nettoyant sous la douche, donc je pense qu'il va me durer une éternité, c'est clair. Mais j'ai envie de le tester parce qu'il me donne envie, franchement. C'est un, donc déjà c'est un gros morceau, voilà, clairement pour le visage ça va me durer un moment et ça sent super bon, vraiment ça sent super bon, j'ai envie de le tester. Je pense que voilà, pour nettoyer le visage ça me donnera plus envie et en plus c'est exfoliant, donc on verra ce que ça donne. Si au pire, si vraiment je m'en lasse, j'en ai marre et tout, je le mettrai dans les produits finis, mais j'ai quand même envie de le tester. Ce produit là me donne envie. Donc je le testerai quand j'aurai fini mon produit Lidl à la noix de coco. Je le testerai parce qu'il me donne envie. Vraiment, il m'attire ce produit-là. Donc on verra, mais en tout cas, je valide. Première vue, je vais l'utiliser. Ensuite, avant-dernier produit de la marque D-Lab Nutri Cosmetics, c'est le Détox Minceur. Donc un produit pour le corps. Donc le format vente de 56 gélules, on l'a 20,57€ au lieu de 24,20€. Ça c'est une miniature de 14 gélules. Donc c'est des compléments alimentaires qui éliminent graisse, sucre, réduit l'apport calorique, nettoie système d'élimination pour une légèreté assurée, une silhouette durablement affinée. Il faut prendre 2 gélules le matin et on a la cure de 3 fois 28 jours qui est conseillée pour un effet optimal. Donc j'avais déjà eu des compléments alimentaires de la marque Della pour le teint et tout, mais voilà, je les avais utilisés, mais rien de plus. Moi je suis pas trop complément alimentaire, clairement, je vous mens pas, je ne prends aucun complément alimentaire, déjà parce que je pense que j'ai pas l'âge, j'ai 22 ans, donc j'ai pas besoin de compléments alimentaires pour les vitamines, etc. Mon avis à moi. Donc c'est vrai que quand j'en ai, bon, je les utilise, mais clairement je vois pas d'effet, c'est pas terrible. Donc ça, je vais l'utiliser. Je pense que si cet été je me remets à un petit rééquilibrage alimentaire, pourquoi pas les mettre en complément, mais je pense pas que je verrai une réelle différence, mais pour les utiliser. Parce que l'été dernier j'avais fait un régime. Régime, un rééquilibrage alimentaire où vraiment j'avais retravaillé toute mon alimentation et je m'étais mise au vélo et tout d'appartement et j'avais réussi à perdre presque 8 kilos. Clairement, j'ai tout repris là. Mon alimentation, je suis repartie comme avant.
Mais pourquoi pas cet été m'y remettre quand il refera meilleur, qu'on mangera plus de trucs légers, frais et tout. Pourquoi pas? Donc je vais les laisser de côté, mais ça clairement je valide pas, c'est pas un produit indispensable pour moi. Quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, j'ai su perdre mes kilos sans complément alimentaire ni quoi que ce soit. Donc ça je valide pas, clairement c'est pas indispensable pour moi. Et le dernier produit, c'est un produit maquillage. C'est un mascara naturel booster de cils de la marque Pompon. Donc c'est un format vente aussi, 24,65 € au lieu de 29 €. Pas donné quand même. Donc c'est le premier mascara naturel qui sublime les cils instantanément tout en prenant bien soin. Formule unique, sans compromis, clean, naturel, vegan, actif, fortifiant et booster testé cliniquement. Des cils plus longs, forts et volumineux. Et ils disent que pour un effet naturel, on fait un passage. Pour un effet waouh, on repasse une seconde fois sur les cils. Et c'est un produit qui est composé de 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle, noté 100% sur Yuka. On a une brosse en plastique recyclé, pack en plastique d'origine végétale et le tout 100% recyclable. Donc d'ailleurs, on a eu un petit papier dessus pour nous parler du produit, voilà. Futur best-seller en vue, donc c'est un petit packaging comme ça en plastique jaune. Voilà, c'est un 7 ml. Et quand on ouvre, c'est une brosse comme ça. Voilà, donc on verra ce que ça donne parce que là, à première vue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produit sur la brosse et limite ça fait un effet sec, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai ouvert. Donc on verra ce que ça donne. Il n'y a pas d'odeur. Donc on verra ce que ça donne, je le testerai et puis de toute façon je vous en reparlerai dans les maquillages utilisés du mois. Donc restez connectés. Mais bon, en tout cas ça je valide. J'en ai beaucoup des mascaras, j'ai un tiroir plein. Mais bon, ça de toute façon j'utilise à chaque fois que je me maquille, donc pas de problème. Je valide. Donc, bon, dans l'ensemble, c'est une box qui est sympa. Elle n'est pas waouh. On va pas se mentir. Voilà, c'est pas waouh, mais c'est sympa. Voilà, le shampoing, je vais l'utiliser sans problème. La crème, comme je vous ai dit, je vais l'utiliser en crème visage et base à maquillage. Comme ça, elle aura deux fonctions. Parce que des crèmes, j'en ai plein. Le petit gel, le petit nettoyant visage, je suis pas trop fan des produits solides, mais ça me tente bien. J'ai vraiment envie de le tester, donc on verra ce que ça donne. Soit j'aime, soit j'aime pas. Donc on verra, mais en tout cas, je valide. C'est un produit solide que j'ai envie d'utiliser. Ça, je valide pas, c'est pas un indispensable pour moi. Les compléments alimentaires et tout, c'est pas trop mon truc. Donc ça, je valide pas. Et le petit mascara, bon ça je le valide. Des mascaras j'en ai plein, mais j'en utilise. Donc voilà pour l'ouverture de cette Blissim, qui est vraiment très très tardive. Fanny, si tu passes dans cette vidéo, dis-moi en commentaire si la box tu la veux. Comme c'est une box tiroir, comme ça je te la laisse de côté pour toi. Dis-moi ça en commentaire. Et je te fais des bisous en même temps Fanny. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans vos Blissim. Comme toujours, je vous mets mon lien de parrainage. Si vous avez envie de vous abonner pour la box de mai, n'hésitez pas à passer par mon lien. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et puis me donner vos avis sur les produits, si vous les connaissez ou pas. N'hésitez pas. Et puis comme toujours, on se retrouve donc le mois prochain pour la Blissim du mois de mai. Et en attendant pour d'autres vidéos. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et puis activer la petite cloche pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut !